énormément
23 ans en termes de durée de vie. Chaque heure, avec sa bouche ouverte, il peut vite filtrer, l'équivalent de une piscine olympique, juste pour pouvoir se nourrir de plancton. Et au niveau de la localisation, il peut vivre au nord et le sud de l'océan Atlantique, la mer Méditerranée, le nord et l'océan Pacifique, la mer du Japon, le large du sud de l'Australie et les eaux de la Nouvelle-Zélande. Donc on peut en croiser en allant en mer Méditerranée. Perso, j'ai pas très envie d'en croiser parce qu'il fait quand même assez peur, même s'il est inoffensif. Et une fois que ce requin a tout mangé, il ferme la bouche et il part encore en vadrouille. Il est terrifiant. Pour continuer cette vidéo, le mec s'est plus parlé. Nous allons nous diriger vers le requin renard. Et je ne parle pas du mix parfait entre un renard et un requin. Non, ce serait méga chelou. La chimère dégueulasse. Je parle de ce petit truc. Voilà, enfin petit. Tout est relatif. Tout est relatif. Et oui, Jamy, tout est relatif. Car ce requin peut mesurer jusqu'à 5 mètres avec le haut de sa queue. Sa queue, elle est immense. Et c'est ce qui fait la particularité de ce requin. En termes de poids, il peut peser jusqu'à 230 kg. Et vivre jusqu'à 20 ans. C'est vraiment un requin assez spécifique qui est très rapide. Et celui-là, pour pouvoir vivre, il est constamment obligé de nager à cause de sa respirabilité. Voilà, l'oxygène quand elle est dans l'eau est filtré par ses branchies. Il est obligé de nager, quoi, t'as capté. Il se nourrit essentiellement de poissons, de calamars et d'autres petits vertébrés. Genre harengs, maquereaux, etc. Et du coup, pour chasser, c'est ce qui fait sa particularité. C'est qu'il va mettre des énormes coups de fouet avec sa queue. Regardez-moi ça. Déjà, il est très rapide. Et il met des coups de fouet avec sa queue au-dessus de ta tête. Ils peuvent aller jusqu'à 80 km/h. Et donc, du coup, fouetter un poisson pour ensuite le déjeuner. Nous allons parler maintenant du requin. Groenland. Bien que très différent des autres requins, il est absolument incroyable. Vous allez le voir dans ce petit documentaire. Je casse le mythe tout de suite. Ce qui fait la particularité du requin du Groenland, c'est qu'il peut vivre jusqu'à 500 sans les bottes. Autant vous dire que le spécimen que nous sommes en train de voir était probablement vivant à la guerre de sécession. En termes de taille, il fait 2,5 m à 7,30 m, ce qui est relativement grand, et il peut peser jusqu'à 1,5 t. Alors vous le voyez sur ces images, le requin du Groenland possède des parasites qui le rendent aveugle. Donc c'est quand même dommage quand tu vis 500 ans d'être aveugle. Mais du coup, tous ses autres membres, enfin tous ses autres facultés, pardon, sont augmentés, ce qui est quand même plutôt cool. Les eaux sont tellement froides car il vit fréquemment aux eaux polaires de l'Atlantique Nord au Pacifique Nord. Il y en a quelques-uns proches de chez nous, mais jamais vraiment observés. Donc personne ne l'a jamais vu chasser. C'est un requin également très très lent. C'est pour ça qu'il est peut-être invincible. En termes de nourriture, il se nourrit essentiellement de calamars, de différents mammifères, marins comme des phoques ou des marsouins. Franchement, avec sa tête, c'est quand même assez aberrant. T'as vu le nez qu'il a? On dirait vraiment qu'il est capable de respirer ton âme. Je trouve ce rack vraiment passionnant, quoi. 500 ans de vie, vous imaginez? Dis-toi que il est plus vieux que certaines familles. Pour continuer cette vidéo, nous allons entrer dans la deuxième catégorie, la catégorie pas dangereux, mais attention quoi.
sur un de ses collègues qui n'est autre que le
Et
Je me suis senti